didn't want to miss the opportunity just to say hi, here we are, to see you in real, okay? It's a very beautiful campus. Like, there's a lot of history, the actual buildings are very beautiful. And I love the people again. I love the fact that there's people really from all over, from all nationalities, they speak all languages. You meet people you wouldn't normally meet, and that's what I found incredible to have in this campus. Alors, la première impression, c'est le talent. Le talent. Je pense qu'il y a du talent, il y a du travail. Je viens du Maroc, plus précisément de Rabat. Je me suis rendu compte que les liens qui existent entre mon pays et le reste de l'Afrique subsaharienne sont plus profonds qu'il n'y paraît. I'm interested in the culture of North America. I'm from Norway. I'm half Norwegian, half Swedish. I would like to work at an embassy, Norwegian embassy, but I don't know where in the world yet. I think that Sciences Po was like the best place to have one more year to exactly know what you're going to do later. Je viens de Bruxelles et je suis franco-allemande. Et j'aimerais bien évoluer après Sciences Po dans le domaine de la culture. La musique, la peinture, l'art sous toutes ses formes, la littérature, au fond, ça va directement aux choses, vous voyez. This kind of university doesn't exist in Germany, where I'm from, so that's why I chose Sciences Po. Donc, je suis actuellement en première année en Bachelor of Arts and Sciences avec l'Université de Paris, en sciences de la vie. Ça peut être un débouché actuel, justement, de pouvoir avoir ces connaissances scientifiques et en même temps connaître le fonctionnement de la société. Je pense que, par exemple, avec la crise sanitaire actuelle, on voit parfaitement les métiers qui pourraient être développés. Mais du coup, Sciences Po apporte justement la compréhension du monde dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a... On a une vision de la société, de l'économie et de la politique et même de l'histoire, de la construction du monde au final. Et les sciences apportent cette compréhension plus technique, je dirais. I'm in the dual degree with Columbia University. And I ended up choosing it because for me, I've been living in America for my entire life and this offered a really cool opportunity to, you know, escape the American-centric narrative. I'm interested in pursuing the field of immigration law in the future within the United States. So I really wanted to have a more international experience before studying that and devoting my time and my life to that. J'ai choisi le campus de Dijon parce que j'ai commencé le russe en seconde et ça a ouvert sur moi une grande curiosité pour l'Europe centrale, de l'Est, la Russie et les Balkans. Dijon, c'est aussi parce que ça s'intéresse à la construction européenne et j'ai passé la terminale à l'étudier et à le préparer pour mon grand oral et c'est vraiment un thème qui m'intéresse et j'ai envie de travailler en fait à la construction européenne, donc c'est le campus parfait. I'm here to further discover my passion. I know that I want to work in the field of human rights, specifically women's rights. I'm doing the dual degree with HKU, Hong Kong University. So because the LOAF campus is the Europe-Asia campus, so I wanted to get the best of both worlds, Europe and Asia. The politics and government major that's offered in the second year would provide me a very good understanding of law, which I think will help me in my career in the future. Je viens de Rio, au Brésil, et je suis venue à Sciences Po Paris, donc campus de Poitiers, parce que je voulais saisir un peu mon identité latino-américaine dans toute sa complexité. Il y a vraiment beaucoup de solidarité entre les élèves, et je vois que tout le monde est en train de s'ouvrir peu à peu, et c'est génial. Sciences Po.